Vas-y en dribblant sur le spot. Donc vous avez 2 minutes pour vous organiser. Mais non, on fait l'attaque. Là. Mais on fait défense. Vous êtes en attaque, vous écrivez déjà si la première passe, vous la faites côté ballon ou pas côté ballon. Vous écrivez en haut de la feuille. Est-ce que vous jouez côté ballon ou pas? Non, la première côté ballon. Donc je t'explique. Est-ce que vous jouez côté ballon ou pas? Bien sûr, on trouvait le numéro 1. Oui ou non? Oui. Alors vous écrivez, vous jouez côté ballon en haut. Côté ballon. Ok, donc première passe côté ballon. Est-ce que vous décidez de jouer côté ballon ou côté opposé au ballon? Côté ballon. Vous jouez côté ballon aussi. Alors comment vous allez vous organiser? Moi je pense 3 feintes et c'est plus genre 2 ou 4 qui courent pour le ballon. Comme ça après t'as 2 possibilités. 2 et 4, ouais. Du coup 2 ou 4, tu rentres. Ok, on va. On joue tout de suite, hein. C'est parti. Et tout de suite, allez.
problème, c'est que vous avez pas, parce que c'est pas forcément très bien expliqué sur le papier, du coup, non ? Oui, mais on verra comment on peut l'expliquer mieux.